Sometimes I feel like I don't have a heart. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, city of angels. Lonely as I am, together we cry. Salut YouTube, Eric Le Gauche et Galago Musique. Bienvenue pour la deuxième partie de Under the Bridge. Deuxième partie qui se découpe en deux parties également. Donc dans la première, nous aurons trois positions d'accord qu'on va retrouver dans la seconde partie. Mais dans cette dernière, on aura des petits tricotages vraiment à la Frusciante, enfin même des phrases un petit peu Hendrix, quoi. Ce genre de choses, voilà, qu'on retrouve très très souvent dans leur vocabulaire. Et ben donc c'est parti. Déjà, je vous montre de près comment on place les doigts pour les accords. Donc voici les accords que l'on va rencontrer. Le premier, Mi majeur. Avec le doigté comme ça, là, on place l'index en septième case de la corde de La, et l'annulaire en 9, 9 et 9 des cordes de Ré, Sol et Si. Vous essayez impérativement de bloquer le gros Mi avec le bout de l'index. Faut que le bout du doigt touche la corde, comme ça, quand vous la grattez, elle sonne pas. Et pareil, surtout pas la corde aiguë, là, pas de petit machin comme ça, hein. Vous vous débrouillez pour remonter un petit peu la phalange, pour que cette dernière corde soit bloquée. Donc Mi majeur. Ensuite un accord de Si majeur. Alors peut-être que vous ne connaissez pas cette position, mais vous connaissez sur celle, certainement, celle-ci. Eh bien, elle en est issue directement. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un barré avec l'index, on va mettre le pouce en septième case de la corde de Mi, et à partir de la corde de Si en septième case, je vais faire une petite diagonale. Ding, ding, ding. Et je viens loquer avec le pouce. Donc je me débrouille également pour que le La, la corde de La, soit bloqué en touchant avec le bout de l'annulaire. Attendez, hop, j'essaie de faire une mise au point. Voilà. Hop. Et pareil, le petit Mi, il est bloqué par l'intérieur de l'index, quelque part. Et c'est avec cette position-là, principalement, que comme Hendrix, Frusciante va faire des petites choses comme ça. Des petites, petites broderies. Donc, Mi majeur. Si majeur. Ensuite, voilà le troisième type d'accord. C'est un Do dièse mineur. Donc sur celui-ci, pareil, il est issu de l'accord mineur en barré que vous connaissez. Là, on va conserver au même endroit, à 11 et 11, l'annulaire et le petit doigt. Et avec l'index, on va barrer les trois dernières cordes à la 9e case. Et pas besoin de s'embarrasser du pouce. Vous bloquerez, pareillement, le gros Mi avec le bout de l'annulaire. Peut-être la position la plus délicate, ça. Tac, donc on a dit quoi ? On a dit Do dièse mineur. Ensuite, la même position. Mais cette fois-ci, je suis redescendu en quatrième case pour un accord de Sol dièse mineur. Et après, on retrouve la position majeure qu'on avait en deuxième accord. Mais cette fois-ci, en cinquième case, un accord de La. Donc Mi, Si, Do dièse mineur. Sol dièse mineur et La majeur. Pour les puristes, quand même, je trouve que ça ressemble au canon de Pachelbel. La majeur. Dans le canon, il revient en Mi. Après, il retournerait en La. Et en Si. Bref, voilà, c'était mon petit délire classique du moment. Bon, ben voilà, donc c'était les positions de main gauche. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on place ça rythmiquement et surtout après, comment on fait les broderies dans la deuxième partie de cette deuxième partie. Alors, dans cette deuxième partie, on va avoir au départ une rythmique qui donne ça. 1, 2 et 3, 4. D'accord ?
très important que vous ne perdiez pas l'aller-retour, parce que c'est ce qui va vous servir de métronome, et vous constaterez dans la partie d'après que c'est vachement important de garder bas, haut, tout le temps. Donc, 1, 2, et 3, 4. Deuxième mesure, je vais attaquer le Do dièse mineur, comme ça, cette position-là. Sauf que, au lieu d'attaquer connement comme ça, directement, faut chanter il fait partir ses deux doigts qui sont là en 11-11 sur la position d'arrivée, et il les fait partir depuis 9. C'est-à-dire... D'accord, 9-11. Et il complète l'accord avec le grave de main droite en retour. Ça, c'est vachement chouette. Donc, mi... Ensuite, vous conservez cette position, vous la descendez en quatrième case, sol dièse mineur, toujours sans la basse, il n'y a pas besoin. On a Flea après qui arrive et qui va compléter tout ça. Et dès que vous avez fini donc, cette position de sol dièse mineur, on atterrit en La majeur. 1, 2 et 3, 4. 1, 2, 3. Mal compté. 1, 2 et 3. Sol dièse mineur, La, 1, 2, et 3, 4, 1. D'accord. Ensuite, il reprend une deuxième fois. 1, 2, 3, 4. Et là, au lieu de passer par 4 et 5, en La majeur, pardon, il passe directement du slide au La. D'accord. Et il fait tourner ça deux fois. Je vous fais les deux fois. Deux. C'est quand il chante là, le départ là. Sometimes I feel like I don't. Pas facile de chanter en même temps. Alors, 1, 2, 3, 4. Deuxième fois. 4. Et il recommence. Super joli, que je vous avais pas mis dans les accords, mais le voici. Trop beau, vraiment, c'est l'accord caractéristique du morceau qui va rompre avec ce truc tout doux. Et c'est parti pour le truc funky. Alors, Funky Town, il reprend tout ça, la même chose, sauf que cette fois-ci, ça va donner ça. Mêmes accords, donc la main gauche... Je vais me rapprocher et on voit ça ensemble. Donc, pour la partie funky, il faut que votre main droite n'arrête jamais de faire des allers-retours. Donc, premier travail, comme dans les trucs de funk, que je montrerai un de ces quatre d'ailleurs, commencez par travailler ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça ne s'arrête jamais, d'accord, le mouvement. Par contre, ce qui va s'arrêter de temps en temps, c'est le son. Si je pousse un petit peu ma main, si je la tire 1 mm vers l'extérieur, eh ben, elle ne gratte plus. Par contre, si je la rapproche, elle regratte, d'accord ? Donc nous, on veut que ça gratte pas toujours, mais qu'on conserve bien le ventilateur de main droite. Ventilateur. Alors, au départ, ça va donner ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le petit phrasé hendrixien quand vous êtes sur le si majeur, ce qui fait comme dans Snow d'ailleurs, si vous avez bossé le tutoriel que j'avais fait à propos de ça, c'est le même principe. Donc quand on est là en si majeur, frac, hop, quand on est là, on peut le faire de deux façons. On peut le faire, alors je vous refais avec le mi qui précède. 5, 6, 7, 8. On voudrait avoir vraiment c'est ça, c'est 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah ! Et juste après ça, donc le petit triolet de double là, je déplace en fait l'annulaire qui était ici. Je me débrouille pour que le majeur ici appuie contre la corde de Ré pour que celle-ci soit étouffée. Pour que je puisse faire. Donc l'annulaire, là, il passe de là-haut à la case juste après le majeur, donc en 9e de la corde de Sol. Et j'ai 3 notes avec une seule attaque. 1, 2, 3. Tac, tac. Donc ça, travaille-le bien à part. Sinon, la deuxième façon, c'est avec le petit doigt, c'est-à-dire on garde la petite diagonale. Ça revient au même, quoi. Ah ! Faut chanter le feu vraiment en bougeant celui-là. C'est ultra joli, pareil, il fait le même slide que tout à l'heure, il part de 9 à 11, il finit de locker la position avec l'index, et il va alterner basse, haut, basse, haut. Les notes que je suis censé choper en haut, c'est ces trois là, hein. Ou plutôt les deux même. Enfin, l'effet c'est vraiment ton, 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 ton. Ok, je m'écarte et je le reprends un petit peu avant. Un coup de sol dièse, un coup de la majeur, et là il fait la même chose que quand on était là, enfin le même principe. Voilà, sauf que cette fois-ci, c'est vraiment le petit doigt qui va le faire. Ouais, on pourra le faire également avec, avec l'annulaire. Enfin, moi j'avais pris à le faire comme ça. Vous êtes en la majeure, clac. Le petit doigt va venir taper la 7e case du petit mi et relâcher. On peut aussi bien faire. Mais bon, ça force à bouger ce doigt-là, donc. Voilà, et ça, c'est vraiment la vraie première difficulté à vaincre. Donc, si jamais vous prenez deux cordes, c'est pas grave, hein, les notes, elles sont là, c'est les notes de l'accord, vous pouvez pas être faux. Mais pour être vraiment précis, c'est le petit mi. Ensuite, deuxième fois, il reprend pareil. Cette fois-ci, la majeure directement. Et à la fin de ce la majeure, là, il fait sonner ces trois cordes-là. Et il recommence. Voilà. Deuxième fois. Je vous le rejoue une fois et je place l'incrustation de la tablature juste en dessous. 3, 4. Voilà, et ça il le refait encore, tout pareil. Cours précédent, je termine en acoustique afin de vous montrer que ça fonctionne, parce qu'il en faut bien aussi pour tout le monde. Ça donne ça. 3, 4.
3, 4. Sometimes I feel. Deuxième fois. 3. Heureux. Et. C'est pas très beau, mon accord. Deuxième fois avec donc les trucs funky. Ça, c'est la suite évidemment qu'on verra au prochain cours. D'ici là, amusez-vous bien. Allez donc visiter galagomusic.com et laissez-moi des commentaires depuis le site. Si vous voulez que je vous réponde, c'est quand même mieux depuis YouTube. Parce que je vous avouerai que sur le site, là, j'ai reçu tellement de messages que des fois, j'ai un petit peu de mal à me jeter dans le grand bain. Parce que je sais que ça risque de prendre un petit peu de temps, et parfois le temps, je préfère le réserver pour les tutos. Voilà, donc navré, ne le prenez pas mal si jamais vous n'avez pas de réponse à un mail que vous m'avez envoyé, quoi. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste... C'est plus marrant de faire les enregistrements, quoi. Bon, et ben jouez bien, grattez bien, à bientôt, ciao.